Hier matin, à 8:00, les forces insurgées ont lancé, sur la base aérienne Prince Faisal, pas moins de 12 missiles de croisière. Les dégâts, particulièrement importants, sont estimés à 30 avions détruits et plus de 400 morts à l'heure actuelle. Le colonel David Crenshaw, l'un de nos vétérans, était en patrouille au début de l'attaque. Il a été capturé par les insurgés. Crenshaw peut être considéré comme un VIP au courant de nombreuses opérations classifiées. Les insurgés vont sans doute l'emmener dans une de leurs places fortes pour le soumettre à la torture. Nous avons isolé plusieurs sites susceptibles de détenir Crenshaw. Nous allons donc déployer un drone pour quadriller le secteur. Une chose est sûre, s'il est là, nous le trouverons. Recherchez tout signe d'activité insurgée dans les bâtiments sur votre carte. Vous devez vous rapprocher de chacun pour nous permettre d'épier les conversations à l'intérieur. Aucun signe de vie. Continuons. Il n'y a rien. On passe au bâtiment suivant. Ça a l'air désert, 27. Rejoignez le suivant. Ici Fullback. Il y a un véhicule en mouvement dans la zone d'opération. Voyons cela de plus près. Un seul occupant. Pas de passagers ni de cargaison. Laissez-le, 27. Changeons plutôt de cible. Maintenez position, 27. Nous avons capté une transmission. Vous comprenez, il me faut la clé de cryptage pour pouvoir transmettre le code. C'est tout ce que je demande. Crenshaw... David... Ah, ça ne sert à rien. Il est trop mal en point pour continuer. Remettez-le à Suleiman. Et surtout, filmez son exécution. Je veux qu'elle soit sur le net d'ici demain matin. On l'a retrouvé. Et pas trop tôt si j'en crois ce que j'entends. J'alerte l'équipe d'intervention avec ordre de décollage immédiat. Bravo, 27. Crenshaw vous devra sûrement la vie.